Perfect Nonsense, ça a commencé en 2014 quand je me cherchais un groupe pour faire des compos. Alors j'ai mis une annonce sur internet et j'ai rencontré Mathieu. Il s'est présenté comme guitariste au début. Après, il s'est mis à chanter Drifter et puis j'ai capoté sur sa voix. J'ai dit ok, j'ai trouvé mon chanteur. On a commencé à jammer pendant une couple de mois, composer des tunes et puis après ça on a mis. Ça, il fallait trouver d'autres musiciens. Fait qu'on a rencontré Gabriel aussi sur internet et pas longtemps après on a rencontré Toff. On est ensemble depuis ce temps-là. C'est surtout qu'on est issu de quatre horizons musicales différents. C'est ça qui est fun. On avait juste, dans le fond, amené chacun l'automne à travailler dessus. Tout le monde est arrivé et a mis son élément. Notre procédé de création aujourd'hui, c'est ça. C'est une personne trouve une idée, puis les trois autres s'investissent dedans. Ce qui fait que ça rend la chose très collective, en fait. C'est ce qui fait d'ailleurs la nature de Perfect Nonsense.